Caroline et je viens d'être diplômée à l'école supérieure de soins ambulanciers. Ce jeudi 7 à 15h30, j'aurai le plaisir de vous présenter mon trait de diplôme qui porte sur la maltraitance de la personne âgée. Je me réjouis de pouvoir vous le présenter et de répondre à vos questions. À jeudi! Alors bonjour tout le monde, un petit peu de courage, c'est le dernier, après c'est l'apéro. Donc moi je m'appelle Aline et je vais vous présenter mon travail de diplôme qui porte sur l'ambulancier face à la personne âgée victime de maltraitance. Alors c'est le sommaire, je vais vous passer parce que vous l'avez déjà vu 8 fois maintenant. Au niveau de mon avant-propos, je vais commencer par déjà vous expliquer ce qui m'est arrivé et pourquoi du coup j'ai voulu faire mon travail de diplôme là-dessus. Je suis en stage en ambulance à Genève. Et on est appelé en P1 pour une femme de 80 ans qui est au sol depuis 3 jours. Moi, quand j'arrive à domicile, c'est un appartement qui est insalubre, qui est du coup, il y a des selles au sol, il y a des bouteilles partout, c'est le chenille quoi. C'est du coup, j'ai un peu de peine à trouver cette dame dans tout ce foutoir. Et quand je m'approche de cette patiente qui est au sol, elle est en chemise d'hôpital, ce qui m'interroge un petit peu. Je demande à mon collègue d'essayer de trouver un petit peu des informations concernant cette dame. Et on retrouve une lettre de sortie des HUG il y a un mois en arrière pour le même motif. Donc ça veut dire 3 jours au sol. Et il faut savoir que cette patiente vivait avec sa fille à domicile. Donc j'ai pu tirer les conclusions que sa fille en fait ne l'avait pas forcément douchée pendant plus d'un mois et qu'elle attendait plus de 3 jours avant d'appeler l'ambulance. Donc moi, quand j'arrive aux urgences et que je raconte cette histoire, je suis extrêmement frustrée, en colère. Je ne comprends pas pourquoi cette personne âgée est retournée à domicile avec sa fille qui est incapable de s'occuper d'elle. À partir de là, moi, j'ai voulu regarder un petit peu ce qu'on avait en préhospitalier, qu'est-ce qu'on pouvait faire de ça, comment est-ce qu'on pouvait agir là-dessus. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire ce travail de diplôme sur la maltraitance de la personne âgée. Je vais commencer par l'introduction et le cadre de référence. Alors, pour commencer, je vais vous parler de quelques définitions. Je vais vous parler de la personne âgée déjà en elle-même. Il faut savoir que c'est assez compliqué à définir. Il y a des définitions diverses et variées, je vais vous en donner 3. Il y a le Larousse qui lui dit que c'est la 3e période de vie, donc après l'âge adulte et après l'enfance. Il y a l'Académie médicale, le dictionnaire de l'Académie médicale qui parle, elle, de plutôt de l'expérience de vie. Donc ça va dépendre de l'expérience de vie de la personne pour dire qu'elle est devenue âgée ou pas. Et l'OMS parle, elle, de l'âge de la retraite, entre 60 et 65 ans environ. Ensuite, si je vous parle de la maltraitance, en fait, c'est simplement un ensemble de mauvais traitements qu'une personne ou un groupe de personnes va donner à une autre personne. À des personnes souvent qui sont vulnérables ou qui sont... Oh, crotte de biquette. Excusez. Pardon. qui sont donc vulnérables et souvent vulnérables, du coup, bien le dire. Au niveau de la maltraitance de la personne âgée, c'est un petit peu les demi-ensemble, hein, je vous apprends rien. Et ça va souvent être du coup de la maltraitance, mais pas forcément physique. C'est ça qui est un petit peu plus dur justement à reconnaître. Ce sera plutôt des fois, souvent de la maltraitance plutôt financière ou de la négligence. Ce qu'on appelle négligence, c'est par exemple une mauvaise hygiène, un frigo vide, on nourrit pas les personnes, elles n'ont pas accès aux soins. Ou des détails comme celui-ci. Pour continuer, je vais vous faire un petit peu d'épidémiologie. Alors pour les diplômés, c'est la dernière fois que vous en entendez parler, et pour les autres, vous en avez encore un petit peu. Si on regarde au niveau de la Suisse, il y a plus de 22% de la population qui a plus de 65 ans actuellement, et les plus de 100 ans sont passés de 2 individus en 1910 à plus de 1700 en 2020. En Suisse toujours, les plus de 65 ans, ils vont passer de 1,6 million en 2019 à environ 2,7 millions d'ici 2050. À Genève, les plus de 80 ans, ils vont passer de 25 000 à 45 000 d'ici à 2040. Donc en fait, ça va doubler dans les 20 prochaines années. Et au niveau mondial, d'ici à 2050, les plus de 60 ans, ils devraient augmenter environ 30%. Si je vous parle un petit peu des chiffres en préhospitalier, j'ai pas pu trouver de chiffres sur le canton de Genève, donc je suis allée voir chez les voisins dans le canton de Vaud, et là il y a plusieurs articles qui sortent.
Il parle qu'en 2018, il y a 87% des courses qui sont non urgentes et dont la moitié des patients ont plus de 65 ans. Entre 2010 et 2016, 50% des interventions concernaient les plus de 65 ans. Et entre 2005 et 2010, une personne âgée sur deux était amenée en ambulance aux urgences. Au niveau des pourcentages de la maltraitance, pour savoir un petit peu où on se situe quand même, il n'y a pas de chiffres suisses exacts qui sont sortis, mais il y a quand même certains chiffres qu'on peut avoir. Il y a notamment une science du Conseil fédéral qui dit qu'il y a entre 300 000 et 500 000 personnes de plus de 65 ans qui seraient maltraitées en Suisse chaque année. Il y a un interview de la RTS d'une doctoresse, la doctoresse Roule-Schwab, qui dit qu'il y a environ 10 à 20% des personnes de plus de 65 ans qui seraient victimes de maltraitance en Suisse. Et la permanence nationale qui a ouverte en 2018, c'est en fait une ligne téléphonique. Eux, ils ont déjà recensé 200 cas signalés en une année. Donc voilà, on peut quand même dire que cette maltraitance, elle est quand même assez présente. Au niveau des soignants, j'ai essayé de rechercher un petit peu les problématiques qu'on avait pour pas détecter en fait cette maltraitance. Et ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a une difficulté de reconnaissance de sa maltraitance. Parce que, comme je vous ai dit, c'est pas la maltraitance physique qui est la plus présente chez la personne âgée. Et souvent, c'est beaucoup plus subtil. Il y a aussi un manque de connaissance sur, par exemple, les procédures qui sont extrêmement mal connues, qui sont extrêmement compliquées, et on ne prend jamais vraiment le temps, en fait, de les remplir. Il y a aussi un manque de formation. Je vous parlerai plus tard de 3 formations que j'ai pu trouver, mais c'est quand même assez compliqué de trouver des formations qui sont vraiment axées sur la maltraitance de la personne âgée. Et pour finir, les soignants disent aussi beaucoup qu'ils ont peur de se tromper, en fait, de faire une dénonciation d'une maltraitance de la personne âgée qui ne serait pas le cas, avec toutes les problématiques que ça peut engendrer. Il faut savoir que cette pathologie, c'est une qui est la moins bien identifiée et la moins signalée. Du coup, ma question de recherche, elle porte là-dessus, je vais vous la lire, ce serait beaucoup plus simple. C'est: quels sont les outils existants pour permettre la détection et le signalement des personnes âgées victimes de maltraitance, et quels moyens pourraient être mis à disposition des ambulanciers pour améliorer la prise en charge préhospitalière de ces patients dans le canton de Genève? Donc je vais vous parler rapidement de ma méthode. J'ai commencé par faire une revue de littérature. Je suis allée essentiellement sur PubMed en mettant maltraitance de la personne âgée en anglais. Je ne vous la fais pas parce que je n'ai pas l'accent. Et je me suis vraiment basée sur des revues systématiques et des méta-analyses. Mon but pour moi, c'était vraiment de trouver des outils qui étaient déjà existants et voir s'ils étaient utilisables en préhospitalier. Pour ça, j'ai utilisé les critères suivants. Donc, ces outils doivent faire moins de 5 minutes. Ils doivent avoir un nombre de questions qui sont limitées, donc moins de 10 questions environ. Les questions, elles doivent être faciles à la compréhension, donc éviter les termes médicaux, surtout. Et faire plutôt des questions par oui ou par non, avec une possibilité d'argumenter. Il faut aussi que les questions, elles soient plutôt explicites et laisser un petit peu la place à l'argumentation quand même. Pour la suite, j'ai fait une recherche des formations qui existaient, qui étaient disponibles pour les ambulanciers, avec justement s'il y avait des procédures de signalement, s'il y avait des formations à destination des soignants pour reconnaître cette maltraitance. Et puis, pour terminer tout ça, quand j'ai fait ces recherches, je me suis entretenue avec un médecin et une assistante sociale pour pouvoir un peu avoir leur point de vue et puis confronter les idées que j'avais trouvées. Au niveau de mes résultats maintenant, donc je vais vous parler de 2 outils de détection de la maltraitance. Le premier, qui a été créé en 1987, qui a été en fait le premier outil créé pour détecter la maltraitance de la personne âgée. Je vous parle de celui-ci parce qu'en fait c'est le premier, donc c'est à partir de là que tous les autres outils sont un peu partis, ils se sont basés là-dessus et ils ont essayé de l'améliorer. L'avantage de celui-ci, c'est que c'est un outil qui est extrêmement bref. Il y a une quinzaine de questions et ça se fait entre 5 et 10 minutes environ. Et ce qui est aussi intéressant, je l'ai déjà dit, en fait, il est premier. Bref. Au niveau des limites, du coup, c'est un outil qui est toujours en cours de développement. Donc voilà, depuis 87, ça fait déjà un petit moment. Donc je pense qu'il va falloir ensuite passer aux autres, parce que celui-ci ne sera jamais vraiment complètement testé sur le terrain. Donc ce ne sera pas forcément l'outil qu'on va pouvoir utiliser qui est le plus adapté. Et en plus de ça, il ne va pas faire la différence entre s'il y a un abus de maltraitance ou s'il n'y en a pas. Le deuxième outil que je vais vous présenter, c'est l'EASI, qui a été fait en 2008.
Lui aussi, c'est un outil qui est extrêmement bref, avec 6 questions qui durent environ 2 minutes. Et ce qui est assez bien avec cet outil, c'est qu'il est utilisé pour vraiment exclure les mauvais traitements. Ensuite, ce qui est aussi pas mal là-dedans, dans cet outil, c'est que du coup, il a des questions sur la négligence et l'exploitation financière. Et on sait que c'est deux types de maltraitance qui sont assez présents chez la personne âgée. Comme tous les outils, il y a des limites. Cet outil-là, il peut être utilisé seulement avec des patients qui n'ont pas de troubles cognitifs. Donc ça limite quand même les patients à qui on peut introduire ce questionnaire. Et les questions, elles sont parfois beaucoup trop longues et elles ne séparent pas les items. Il y a en fait plusieurs items dans la même question, donc la personne a toujours un peu de la difficulté du coup à répondre à ces questions. Et les questions aux réponses fermées, elles sont assez difficiles. Ça va pas être possible de dire oui ou non. Je vous montrerai, j'ai un exemple, il n'est pas très clair. Il pourrait être combiné au SWE, alors je vais passer très vite là-dessus. Le SWE, c'est un autre questionnaire avec une 60aine de questions qui dure environ 1 heure. Et ce serait intéressant de pouvoir, pourquoi pas, faire l'AESI en préhospitalier et proposer le SWE si on a des doutes après aux urgences. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc là, je vais vous montrer du coup le type d'outil. Donc ça, c'est l'AESI que je viens de vous parler. Si on regarde, je ne vais pas vous lire toutes les questions, mais si on regarde juste la première, « Avez-vous dépendu de quelqu'un ?» Voilà, c'est déjà assez pénible. Mais ça a été traduit sûrement de l'anglais. Et si on regarde les deux premières questions, elles vont parler essentiellement de la dépendance de la personne âgée. Si on prend ensuite la troisième question, elle va plutôt être basée sur la violence verbale. La quatrième, elle est axée sur la violence financière. Et la cinquième question, elle est plutôt sur la violence physique. Donc ça fait quand même relativement un peu le tour de toutes ces violences qui peuvent toucher la personne âgée. Et la sixième question, elle va être répondue par la personne qui introduit le questionnaire. Donc soit par l'ambulancier par exemple, ou la personne qui pose des questions, que ce soit un médecin ou autre. Au niveau des procédures de signalement, j'ai contacté tous les services d'ambulance du canton de Genève pour voir qu'est-ce qu'ils avaient eux comme procédure concernant la maltraitance de la personne âgée. Sur tous ces services, il y a 5 services d'ambulance qui m'ont répondu, dont 2 qui ont un protocole en format algorithme. Un autre qui a un protocole en format papier où il y a un lien en fait où on peut cliquer dessus et on a directement accès en fait au signalement du SPMI donc pour les enfants. Et il y a 2 sociétés qui n'ont pas encore de procédure. La problématique de ces 3 protocoles, c'est qu'ils sont axés sur la maltraitance de l'enfant. Il n'y a que très peu d'informations sur la maltraitance de la personne âgée. On est extrêmement peu vigilant à ça. Et ça, je pense que ça pourrait être un axe d'amélioration. Ce qui est intéressant avec ces 3 protocoles que je viens de vous parler, c'est qu'il y a une étude aux États-Unis qui a été faite en 2018, qui, elle, reprend 35 protocoles des ambulanciers des États-Unis. Et dans ces protocoles, il y a moins de la moitié des protocoles qui parlent de la maltraitance de la personne âgée. Donc ça rejoint en fait les protocoles qu'on a sur le canton de Genève. Au niveau des formations existantes, je vais vous parler de 3 formations. Je vais commencer par la formation qui s'appelle Alter Ego. Elle a beaucoup d'avantages, celle-ci. Elle est faite en 3 volets, avec le premier volet qui est un module de base qui dure environ 3 heures. Et c'est vraiment une sensibilité sur la maltraitance, enfin sur la personne âgée en général surtout. Et il y a quand même aussi un apport théorique. Et il y a aussi plutôt des échanges d'expériences de vie en fait, des participants du groupe. Le deuxième volet, c'est du coup le module d'approfondissement. Lui peut durer entre une demi-journée à 2 jours en fonction des gens qui suivent le cours et des besoins qu'ils ont. Et là, ils vont parler de la maltraitance plutôt dans son ensemble, la maltraitance familiale, envers les proches ou même entre résidents. Ils vont parler aussi de la bientraitance envers les autres et soi-même. L'avantage de ce premier et ce deuxième volet, c'est qu'ils sont ouverts à n'importe qui, pas besoin d'être soignant pour participer à cette formation. Par contre, pour le troisième volet, qui est la formation pré-malpa, elle est réservée aux professionnels de la santé, qui va durer, si je ne me trompe pas, attendez, c'est marqué par là, mais je suis nerveuse. Excellent. Donc elle dure 3 jours, et comme je le disais, c'est ça. Et là, ils vont vraiment être capables, en fait, d'analyser la maltraitance et de pouvoir en faire quelque chose, de pouvoir avoir les outils nécessaires pour trouver des solutions aux problèmes. Et
Et ça, je trouve que c'est assez du coup, intéressant. Et le fait qu'elle soit en, en trois volets, les personnes qui suivent cette formation, ben, je parle surtout des ambulanciers, ils ne sont pas obligés en fait, de suivre ces, ces trois volets. Ils peuvent s'arrêter au niveau de formation qui, pour eux, est suffisant et nécessaire pour pouvoir ensuite en, en faire quelque chose. Il y a aussi le CAS sur la violence interpersonnelle du, qui est proposé par le CHUV. Alors, cette formation, elle est une fois tous les deux ans, donc si on veut la faire, il ne faut pas la louper. Et là, elle est aussi intéressante, elle dure 7 jours environ, et elle va aussi développer des attitudes face à des situations de maltraitance, et elle va aussi aborder des aspects médico-légaux. Et ils vont essayer d'introduire une démarche systématique d'analyse pour la suite. Et bah, ça, du coup, c'est un CAS, donc c'est quand même assez long, c'est 7 jours. Et si on ne veut pas suivre ce CAS en entier, on peut aussi simplement suivre le module qui traite vraiment de la maltraitance, donc le module de la maltraitance envers la personne âgée. Donc là aussi, ça nous laisse une ouverture. Est-ce qu'on a envie de devenir, entre guillemets, le référent de la maltraitance de la personne âgée, ou si simplement suivre le module est suffisant, ça peut être intéressant de voir aussi comment est-ce qu'on a envie de la suivre. Et pour finir, il y a une dernière société qui produit une formation qui est disponible dans le catalogue de formation de 2022 qui s'appelle Geriatric Education for AMS. Et j'ai voulu contacter le directeur en fait, de cette formation qui l'a mis en place pour les ambulanciers. Et en fait, la première session elle a lieu en novembre 2022. Donc on n'a pas encore de recul sur la qualité et sur la participation des ambulanciers à cette formation. Au niveau de mes entretiens, je me suis entretenue avec le docteur Emmanuel Escar, qui est le chef de l'unité interdisciplinaire de médecine, de prévention et de la violence, et Aline Lacroix, qui est assistante sociale de l'unité gériatrique communautaire. Alors, je ne vais pas vous faire en détail les entretiens, parce que sinon on est encore là ce soir et puis on va passer à côté de la bière. Mais en gros, ce qui ressort vraiment de ces entretiens, c'est que les outils, c'est une bonne chose, mais ils doivent être suivis de formation, parce que sinon, il y a quand même un risque qu'ils soient plus délétères qu'autre chose. Il faut aussi savoir que dénoncer la maltraitance d'une personne âgée, c'est un processus qui prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, ce n'est pas quelque chose qui va être réglé en une heure. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qui va se régler avec un seul professionnel de la santé. C'est souvent plutôt en réseau que ça va déjà se détecter. Par exemple, l'infirmière de l'IMAD voit qu'il y a un changement dans la famille, qui va contacter une assistante sociale, qui l'assistante sociale va aller faire un entretien. Et voilà, ça va être un peu échelonné, puis ça va être vraiment avec plusieurs personnes que ça va pouvoir vraiment se détecter et avec laquelle on va pouvoir vraiment faire quelque chose. Il faut savoir que quand on détecte une maltraitance, si on estime que la personne elle est en danger, ça peut prendre entre une semaine à un mois pour qu'il se passe quelque chose. Et il y a la possibilité d'hospitaliser les personnes en danger pour une hospitalisation sociale. Et si ces personnes la refusent, on peut aller jusqu'au plafard, ça veut dire les obliger à être hospitalisés pour leur sécurité. Je vais maintenant passer à ma discussion. Donc si je reprends, la maltraitance, elle est difficile à percevoir par les soignants, comme je vous ai déjà expliqué, il y a une peur de se tromper, il y a un manque de connaissances, il y a toujours une difficulté d'identification qui est toujours bien présente, même actuellement. Et elle est aussi difficile à percevoir par la personne âgée elle-même. Elle va pouvoir simplement avoir peur de représailles, elle va peut-être culpabiliser ou simplement vouloir protéger son agresseur. Imaginons que son agresseur c'est son fils, son petit-fils, son mari, et ben peut-être qu'elles ne vont pas vouloir en parler pour éviter justement des ennuis aux gens en fait, qui l'entourent et du coup ça peut toujours être assez délicat. Au niveau du coup des outils, il y a différents types d'outils, il y a des types échelles, des types mémotechniques, des types questionnaires, donc il en existe quand même plusieurs. J'ai malheureusement pas d'outils prêts à porter maintenant que je pourrais proposer pour le préhospitalier parce qu'ils sont souvent extrêmement longs, ils sont parfois incompris par la personne âgée et ils ne sont pas adaptés pour tout type de personnes âgées. Ils ne vont pas prendre en compte, par exemple, les personnes âgées qui ont une démence. Il va falloir, à 95 ans, être encore bien dans ses baskets pour ne pas se faire taper dessus. Donc, c'est un peu délicat, quoi. Et bien sûr, ces outils présentent des limites, comme je l'ai dit. Mais je pense que ce n'est pas une idée à abandonner totalement. Et ça pourrait être, pourquoi pas, amélioré avec les formations qu'on suit pour pouvoir essayer de créer quelque chose de vraiment utilisable en préhospitalier.
au niveau des processus, des algorithmes, je pense qu'on a vraiment un manque maintenant d'algorithmes et de processus qui sont vraiment spécifiques à la personne âgée. Il faudrait pouvoir créer des documents beaucoup plus faciles, beaucoup plus clairs, histoire qu'on ne perde pas énormément de temps pour pouvoir les faire. Parce que nous, en deux interventions, on n'aura pas le temps de faire de la paperasse pendant 1h30. Donc essayer justement de faciliter un petit peu tout ça. Et il faut savoir qu'il y a un article de loi, donc le 443 du Code civil, qui concerne les droits et obligations d'aviser les autorités. Il faut savoir que quand on est dans le milieu professionnel, on a une obligation de dénoncer la maltraitance, qu'elle soit de la personne âgée ou de l'enfant finalement, ou de n'importe qui. On est obligé de dénoncer cette maltraitance, et je pense qu'on n'est pas tous au courant qu'on est dans l'obligation de le faire. Et ça, je pense que c'est important à pas oublier. Au niveau des algorithmes, je pense que ce serait assez intéressant d'en faire un spécifique à la personne âgée qui est victime de maltraitance. Ok, qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça, quoi, comment est-ce qu'on peut agir à ce niveau-là? Et pourquoi pas avoir vraiment cette fois des cases et des flèches, ça pourrait vraiment nous aider pour savoir dans quelle direction est-ce qu'on peut aller. Ça, tout ça, je pense que ça pourrait nous aider à rapporter plus de cas plus facilement et plus rapidement. Et ça, je pense aussi que c'est un axe qui serait facile à développer dans les services et pas forcément ultra cher. Au niveau des formations, les trois que je vous ai présentées, elles peuvent nous apporter ces connaissances de base de la maltraitance de la personne âgée. Elles sont efficaces parce que les gens qui les ont déjà suivies se sentent plus à l'aise à la reconnaître et à la dénoncer. Et ce qui est aussi important dans ces formations, c'est qu'ils vont nous aider à connaître le réseau et tout le processus de signalement. Je pense que le fait de suivre ces formations augmenterait aussi les signalements de la maltraitance. Et il ne faut pas oublier que la reconnaissance, c'est juste le premier maillon de la chaîne quand on prend en charge les victimes. Je vais faire un petit point aussi sur l'interdisciplinarité. Donc, j'ai parlé avec le docteur Escar et Aline Lacroix. Et je pense que c'est un point clé de pouvoir faire appel à plusieurs compétences, à plusieurs professionnels de la santé. Parce qu'ils sont en fait, à l'inverse de nous, juste des professionnels de la maltraitance. Et puis eux, ils connaissent extrêmement bien le réseau. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter pour pouvoir avoir une prise en charge qui est vraiment globale, qu'elle soit médicale ou sociale. Après, la difficulté qu'on peut retrouver quand on a envie de les appeler, c'est que dans un contexte d'urgence, les appeler en disant « est-ce que tu peux être là dans une demi-heure à domicile ?» ça peut être, je pense, extrêmement compliqué. Ils n'ont pas non plus des permanences 24h sur 24, donc si on amène une personne âgée ou soupçonne de la maltraitance à 4h du matin, il va falloir faire différemment pour essayer de les contacter peut-être par la suite et voir comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place pour être plus efficace. Au niveau de ma conclusion, il faut savoir que c'est des situations qui sont complexes. On ne va pas être appelé en PU pour maltraitance de la personne âgée, ce serait beaucoup trop simple. On va être appelé pour autre chose, une dyspnée ou une chute ou des choses comme ça. Et l'environnement peut nous mettre la puce à l'oreille, le physique du patient ou ce qu'ils nous disent, ou tout ça peuvent nous mettre des puces à l'oreille. Et le fait de pouvoir suivre ces formations et avoir des outils, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de compétences, même si on ne sera jamais des professionnels de la maltraitance de la personne âgée, on peut quand même essayer de faire un petit peu mieux que ce qu'on fait maintenant. Et voilà, essayer d'améliorer un petit peu nos pratiques. Et je pense que, j'aime bien cette phrase, je suis trop fière, s'informer et se former, elle est à la portée de tous. Et ça, je pense que c'est assez important qu'on commence à être responsable de ça, qu'on se rende compte que ça existe et que ça va augmenter. Et je pense qu'on peut faire vraiment, nous, quelque chose aussi à ce niveau-là. Moi, j'avais pensé à pourquoi pas essayer de créer une échelle d'auto-évaluation, comme on pourrait faire par exemple pour la douleur quand on arrive aux urgences, quand on dit qu'un patient il a 3 sur 10 de douleur, ça parle à tout le monde. Est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose avec la suspicion de maltraitance? Moi, à 3 sur 10, je pense que cette patiente elle est maltraitée. Si on parle tous le même langage, peut-être qu'eux derrière, ils pourront aussi faire quelque chose. Parce qu'on sait que souvent le somatif va passer avant tous ces problèmes-là, et souvent la maltraitance elle est un peu oubliée dans le dossier, un peu perdue
le fait de l'amener au desk jusqu'au... Voilà, donc c'est des choses qui sont vite perdues et je pense que on peut améliorer nos pratiques. Est-ce que vous avez des questions ? J'entends pas. Avec les chiffres des statistiques de la maltraitance, est-ce que tu as trouvé des chiffres qui se passent au milieu hospitalier ou EMS ou bien ce que tu confondu ? Alors là, les chiffres de la maltraitance, c'est tout confondu. Il n'y a pas. Pardon ? Je te répète. Ah, pardon, je vais répéter la question. En gros, la question c'était est-ce qu'il y a des chiffres différents en EMS ou à l'extérieur ? C'est à peu près ça. Excellent. Alors non, il n'y a pas de chiffre exact de où se passe le plus souvent la maltraitance. Après, j'ai quand même pu regarder, la maltraitance, elle se passe en règle générale à domicile quand même, et bien sûr en EMS parfois, et c'est des lieux où nous on intervient quand même fréquemment. Je crois qu'EMS c'est à peu près 13% de nos courses, donc bien sûr qu'on peut être attentif aussi en EMS, ça peut arriver bien sûr. J'ai une deuxième question. Excellent. Au niveau de la maltraitance économique, c'est quoi ? La maltraitance économique, c'est en fait quelque chose de financier. On va forcer la personne âgée à signer un dossier ou aller à la banque, par exemple, retirer 10 000 francs ou des choses comme ça. C'est ou lui soutirer de l'argent. C'est ça, en fait, c'est plutôt financier. Tu parlais justement dans les points d'amélioration, tu fais une échelle qui pourrait définir un nombre sur 10 de maltraitance de personnes âgées. Parce que lors des transmissions, du coup, la plupart du temps, quand on transmet, on a des doutes sur la situation la situation complexe de la personne âgée. La plupart du temps, ça passe à la trappe, il y a quand même des suites en hospitalier. Alors la question c'est, est-ce que en gros, quand on suspecte une maltraitance et qu'on arrive et qu'on fait nos transmissions, est-ce que ça passe à la trappe ou pas ? Et est-ce qu'il faudrait, du coup, est-ce que cette échelle serait pertinente ? Pour moi, alors ça c'est mon avis hein, qui a été confirmé à peu près, mais oui, ça passe souvent à la trappe cette maltraitance, malheureusement. Parce qu'il y a des problèmes somatiques par-dessus, en fait. Quand on va amener une personne qui a une fracture du col du fémur, ou qui est déshydratée, ou qui est pendant plusieurs jours au sol, et ben en fait, il y a beaucoup de choses à faire avant de s'occuper de cette maltraitance. Il va falloir la réhydrater, il va falloir faire des examens, il va falloir faire des choses. Et le fait de parler une première fois à l'infirmière du tri en disant « là, il y a de la maltraitance », au médecin, là il y a de la maltraitance, le médecin il change sa garde, il va pas forcément reparler de ça au médecin qui prend la suite, et en fait ça se perd petit à petit, et du coup ça arrive au point que la personne va retourner chez elle et on n'aura rien fait pour régler le problème. Mais dans le contexte où tu vas le transmettre, ça va être potentiellement écrit, tout comme par exemple si l'échelle est créée, ça va être écrit, ça peut être aussi perdu, ou bien ? Tout à fait. Ah. Tout à fait. Après, au moins, il y a une trace écrite quelque part. Et puis, peut-être qu'il pourrait se passer quelque chose par la suite. Après, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, à ce moment-là, directement au desk, de pouvoir demander un rendez-vous avec une assistante sociale ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas, je sais pas, envoyer un mail du moment qu'on clique sur l'échelle qui a plus de 5, par exemple, et ben, ça envoie un mail automatique, je sais pas. Il faudrait pouvoir faire quelque chose pour qu'en fait, cette maltraitance, elle reste quelque part et qu'on en fasse quelque chose. En pédiatrie, quand on parle de maltraitance, ça ouvre déjà énormément de portes, ça engrange beaucoup de personnes. Et pourquoi la maltraitance sur les personnes âgées, ça prend autant de temps, ça passe à la trappe, ça prend moins de conséquences que la pédiatrie ? Tu veux une vraie réponse ou... la question c'est pourquoi en pédiatrie quand on arrive avec de la maltraitance il y a tout un processus qui se met en route et que quand on arrive avec la suspicion de maltraitance d'une personne âgée ça passe à la trappe. C'est une excellente question. Je pense que y a peut-être une problématique de c'est une personne âgée, elle est folle, elle abuse, elle dément, de toute façon elle boit plus, peut-être qu'elle raconte n'importe quoi. Je peux pas dire exactement pourquoi. Après, l'avantage de la maltraitance de l'enfant, si je peux dire, c'est qu'ils n'ont pas leur capacité de discernement, ils sont sous
tutelle de leurs parents. Donc ils sont obligés de faire quelque chose, de sortir cet enfant et puis de faire appel au SPMI, de faire appel à tout ça. Et ça, c'est des procédures qui sont déjà bien connues, qui sont déjà bien ancrées dans les mœurs. Et bah, ça fait toujours un peu plus de peine à un enfant qui se fait taper dessus qu'une personne âgée aussi, je pense. Donc il y a plus de choses en place pour la pédiatrie que pour tout à fait, ouais. Ok. En ligne, il y a des questions. Oui. Que peut-on faire face à des situations où il y a un doute de maltraitance de la part d'une personne âgée qui... je vais recommencer. Quand il y a une personne qui est détentrice d'une turatelle ou d'une curatelle et puis qu'elle maltraite la personne dont elle a la charge, qu'est-ce qu'on peut faire en fait ? La question c'est quand une personne âgée est sous curatelle et qu'on suspecte que la curatrice est maltraitante, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, je ne sais pas. D'accord. Est-ce qu'on peut aller à l'encontre de la décision de la tutrice pour l'hospitalisation par exemple ? Je ne sais pas non. Est-ce qu'on peut aller à l'encontre de... Comment t'as dit ? De la tutrice. Ah oui, est-ce qu'on peut aller à l'encontre de la tutrice si on veut hospitaliser cette personne ou des choses comme ça ? Ouais. Après, pour moi, il y a des articles de loi qui disent quand même qu'il faut protéger les personnes qui sont en danger. Donc, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas passer au-dessus de cette curatelle si on estime qu'il y a un problème. Après, nous, en tant qu'ambulancier, on ne pourra pas décider, hop là, on passe au-dessus, bamboula. Mais je pense qu'on peut faire appel au tribunal, simplement. Ils savent pas aller jusqu'au tribunal. Et puis après, bah, ça devient judiciaire, finalement. Donc, ça ne concerne plus. D'autres questions ? Excellent. Alors, avant d'applaudir, je voulais remercier Véronique pour tout ça, parce que je fais beaucoup de fautes d'orthographe et je pense qu'elle a dû serrer plus d'une fois quand elle lisait mon travail. Je voulais aussi remercier Ludivine et Karen qui m'ont soutenue bah, pendant déjà ces 4 ans, qui m'ont soutenue pour ce travail, où j'ai bien pu me détendre avec elle, c'était très sympa, surtout quand j'étais en train de craquer avec ce travail des diplômes. Et bah, ma famille, mes amis qui sont là, qui sont toujours là et qui m'ont soutenue. Et Benjamin Béda qui est au fond de la pièce, tout discret. Voilà, donc merci à tout le monde et apéro.